Et salut à toutes et à tous, c'est Katsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Bloodstained, Ritual of the Mind. Et on va eh bien, explorer un peu plus la map, trouver à quoi sert cette clé du charpentier, et surtout faire un truc, quand on regarde la map ici, il y a un coffre qu'on n'a pas été chercher là. Donc on va aller chercher ce coffre, première chose. Et ensuite on va chercher où est la clé du charpentier, où elle mène. Parce que je l'avais pas vu et on ira dans l'eau explorer. Regardez là, tous ces coffres là qu'on n'a pas pris, tout ça c'est dans l'eau. Donc on va aller les chercher parce qu'il nous les faut ces coffres. Il y a peut-être les clés dedans, hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne connais pas le jeu. Je ne l'ai pas fait et je ne vais pas aller me spoiler sur internet. Non, ce n'est pas mon genre. Autant souffrir. Parce qu'en fait, un peu les Castlevania, ce qui est bien aussi, c'est de découvrir. Sinon c'est pas drôle. Ok. Et là, il trouve la clé du destrier dans le... 1000 balles, merci. Et là, il trouve la clé du destrier dans le bateau. La clé qui le bloque depuis longtemps. Je rigole si c'est ça. Et sérieusement, je pète un plomb. Je me mettrais à rire tout seul. Tel un cinglé. Ouais, en bas. Non, pas ici. Après. Bonjour! Ces mobs. C'est ça qui est trop fort. Moi j'aime bien. Dans les jeux, quand on voit qu'on devient surpuissant, j'adore ça. Ah, oups. Non mais même lui pourrait l'abattre, vas-y. Quel talent! Ok, c'est juste là. Hop! Merde, c'était pas là? Merde! Pour monter. Pardon, excusez-moi. C'est overkill, 140 dégâts sur eux. Okay. Bon. Largement overkill. Bonjour. Au revoir. Du lamarto. Au revoir, du lamarto. De la marta. Eh, ça pourrait faire un peu italien, hein. De la marta. Graines de patates. On va pouvoir faire pousser des patates. Chez notre ami. Le fermier. L'agriculteur, pardon. Veuillez m'excuser pour cet abus de langage. Ok. Ah ouais, non, mais en fait. D'accord, dès le début, on vous dit. Tu veux en chier pour avoir les objets, mais je m'en fous. Voilà. Ok, singe. Oh, l'anneau du pilleur. Très bien. Équipement. C'est quoi ça? Oups. Oh oui! J'ai trouvé la technique. Oh. Alors, tueur de bêtes, un fouet que peut dompter n'importe quelle bête. Radar, pistolet à mèche qui utilise pour abattre la cible à distance. Il faudrait essayer le gameplay flingue. La bordiche. Grosse hache à deux mains. On connaît. C'était l'anneau du pilleur, on l'avait déjà, non? D'accord. Bien, donc c'était pas là. Ouais, on va aller à la salle de TPK là. Hop, dégage. Dégage. Hop. Excuse-moi. Et là, c'est eux. C'est un loot de eux qui vous donne la... Non mais, ce qui est très très drôle, c'est que pour aller nager, on se souvient, hein, eh bien en fait, il faut avoir un sort qu'on loot sur des ennemis. Donc c'est peut-être un sort qu'on loot, mais ça m'étonnerait quand même. Hein.
Vous avez vu? Il peut nous indiquer les ennemis qui ne sont pas encore apparus. Parce qu'il a tapé là où l'ennemi n'était pas encore apparu. Intéressant. Il y a un coffre là. Il me faut ce coffre, obligatoirement. C'est obligatoire valable. Mais c'est un coffre qui se régénère, oui je sais. Ah mais ceux-là c'est... Ah d'accord, mais c'est les monstres qui propulsent dans l'eau. C'est un swap color. J'ai complètement oublié. Je me souvenais plus de leur tronche en fait. Et on n'oublie pas que si on veut finir le jeu à 100%, eh bien il faut mettre le superbe anneau je ne sais plus quoi qui permet de voir les zones cachées. Voilà. Et refaire tout le jeu. Ou les lunettes ou je ne sais plus quoi. Je sais qu'il y a un équipement, je l'ai, hein, donc, je le sais. Je ne sais plus c'est quoi comme équipement, comme type d'équipement. Ya canon laser. Oh, il donne des balles. Intéressant. Pardon. J'adore ce sort. Ce sort est pété. Moi, j'aime bien être pété dans les jeux. Hop. 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 Bonjour. Quel ennemi, oui. Oups, là, c'est là. Bien. On avait dit la flotte. La flotte, c'est là, non? Non, là, c'est... Si, on peut aller par là. Là, c'est le désert. On peut aller par le désert. Donc, on va y aller par le désert. Vraiment dommage qu'on n'ait pas les noms des zones. Quand même. Si c'est un reproche que j'aurais à faire, ce serait celui-là. Au jeu. C'est que quand on est sur la map, on n'a pas le nom de la zone qu'on vise. Là, par exemple, là, je sais pas c'est quelle map. Donc, pour faire son itinéraire, c'est... Ah, mince! C'est très très bien quand on... quand vous y jouez tous les jours, mais si par exemple vous avez, je sais pas, une semaine de trou, et ben c'est très très chiant ce genre de système. Vous pouvez pas voir le nom des maps. Merci, 5000 d'or. Ah oui. Non, je dois prendre mon fragment machin. Oh, bah attendez. C'est vrai qu'on a. C'est celui-là avec. Non, rayon réflecteur. Ceinture de foulée. Ça fait quoi hein? Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas grave. Hein. Ceinture permettant de résister au mouvement éprouvant. Améliore la distance de la glissade, un truc comme ça. D'accord, donc certainement que ça doit immuniser à certains effets comme. Ah, j'ai le mot. Hein. Lenteur ou des trucs comme ça. Yahoo! Ah bah ça va être plus simple maintenant pour passer ça. C'était pas ce sort là que je croyais avoir. Je pensais avoir mon sort de rayon laser. Aïe, ça va être plus simple et sans point quand même. Alors. Pour le coup, c'est vraiment plus simple à passer.
juste moi qui suis mauvais. Ok. Passe-toi le cheval. Ah, tellement plus simple. Vous vous souvenez comment on avait galéré? Ah oui, c'est vrai, j'ai pas le bon sort. Eux vont peut-être donner un objet, hein. Je ne sais pas. J'ai pas leur... J'ai pas leur leur pouvoir non plus aux poissons, là. Merde. Ah bah voilà. Quand on en parle. Faut coller, en fait. Vaish l'a lancé un éclat de glace tranchant sur les ennemis. Intéressant. Ah bah c'est... En fait, il a tous les sorts, Jackie... Jubel, en fait. Il a peut-être tous les pouvoirs. C'est pour ça qu'il fait des pouvoirs un peu bizarres. Mais est-ce qu'il aura l'ultime pouvoir du rayon laser de lumière? On l'avait pas vu quand on l'avait affronté. Le Gibelou Tunné. Vous ne pouvez rien faire contre moi. Vous êtes trop bête. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas de barre d'oxygène. Alors ça, c'est vraiment bien. Ok. Oh! Petit coup vers le bas. Voilà. Il y a encore deux coffres ici. Hop, merci. Hop. Aïe. Non. Ah, on se déplace peut-être plus vite dans l'eau. Avec oui, Shovel Knight. Shovel Knight aussi, on galérait à les combattre et maintenant on les défonce. Bon, on sait que ces coffres-là, ça sert à rien d'aller les chercher, mais c'est juste histoire d'enlever les coffres sur la map. Et se dire, ça y est, on les a eus. Même s'ils reviennent, on sait. Tu es de l'autre côté. Je vais venir te chercher. Désolé, petit poisson. De la présure et un rubis. Très bien. Alors. Ici, ça m'énerve. Parce qu'il y a un truc à faire ici. Et que là, j'ai pas le sort qui me permet de passer ici. Et que là, c'est fermé. Enfin, ici. Et là, on voit bien que ça vient de là. Donc ça, c'est sûr que ça fait ça. C'est sûr. Là, c'est la clé du millionnaire. Là, c'est Jebel. Là, c'est la clé céleste. Là, c'est la clé du destrier. Mais où va la clé du charpentier? Dans la tour? Mais pas vu de clé dans la tour. Retournons dans la tour. Retournons dans la tour. J'ai des transpires encore à les utiliser. Tant qu'à faire. Hop là, merci. Ou alors, à moins qu'il y ait un sort pour passer à travers les murs, mais ça m'étonnerait. On n'a jamais eu d'indice comme ça qui porterait à penser qu'il y aurait un sort pour passer les murs. De type passe-muraille ou des trucs comme ça. Je passe partout de forêt. Bon. Ah, bien. La protection est donc assez efficace. C'est sûr que c'est pas dans la première. Mais voilà la deuxième. Merci. Pas trop tôt. Hmm.
Tant qu'à faire, on va prendre des rubis des saphirs. Ça pour les fraises. J'aime bien le jeu. Tu dis non. Très bien. Donc là on se souvient qu'après il y avait le boss. Et... Oh cool, on l'a déjà. Merci. Code de buff et... C'est ça que j'avais besoin pour sauter plus haut, je crois. Je ne sais plus. Là, oui, c'est pour l'ascenseur, on sait. Un d'or, bravo. Plume de foudre. J'en étais tellement sûr de celle-là. Une robe de Valkyrie. Et là-bas, il y en a un autre. Alors, j'en étais mais tellement sûr. Alors, par contre, comment on y va? S'il faut peut-être trouver un trou là. Alors, on va courir au plafond, hein, telle une araignée. Mais là, on retourne là où on avait été. À moins que cette robe de Valkyrie nous permette de passer dans les pics, ce qui m'étonnerait, mais pourquoi pas en vrai. Non. On donne plus de charisme, beaucoup de défense, intéressant. Merci. Alors, on maîtrise un peu le Inverto maintenant. Alors, je vais essayer d'aller là. D'aller chercher mon objet. Parce qu'on a clairement vu qu'il y avait un objet. Mais je ne sais pas comment on fait. Je cours au plafond. Un truc qui serait magique, ce serait qu'en fait, il faille aller en bas, sauter dans le trou, et en fait, on aurait tellement de vitesse qu'on passerait à travers. On va essayer ça. On a déjà trouvé une robe de Valkyrie, c'est déjà pas mal. Alors qu'il faille arriver par au-dessus. On monte tout en haut là, avec Inverto, on descend. Et on va essayer ça après.
J'ai essayé ça avant, d'ailleurs. Je me suis compris hein, dans ce que je vais faire. Moi, il y a un truc qui me... La fée Carabosse aussi, sa chanson. À quoi ça sert? Ça me tord la pine depuis longtemps. J'avais fait bugger le jeu. C'est ça, j'avais complètement fait bugger le jeu. Comment on fait pour aller à l'autre coffre alors? Attendez, est-ce qu'on peut casser là? Non. Pas casser là non plus. Oh, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Ok, très bien. J'ai trouvé comment on fait. Attention, c'est psychédélique. Hein. Clairement prévu comme ça. On va pas tous refaire. Va plus vite, Janine. Va plus vite, Janine. Descends. Je veux cet objet. Maintenant que j'ai vu cet objet, je veux cet objet. Ok. Plastron d'Aegis. Oh oui. Pardon, excusez-moi. Vous venez d'entendre un homme jouir. Ah, oui, je le savais, je le savais, je le savais. J'aurais pu se penser à un dash, mais on a déjà pas mal d'options de déplacement. Ah, bah voilà! Voilà! On va pouvoir avancer dans le jeu! Casse-toi! Casse-toi! Voilà, moi j'ai toujours tué, voilà, cassez-vous! Cassez-vous! Oh oui! Oh oui! Oh oui! Alors, on va les sauvegarder, hein! Dans un endroit safe! Ah oui! Oui! La maîtrise du Hilbert Hall! Qui nous permet, eh bien oui, de débloquer des nouveaux endroits! En plus, c'est le dernier endroit qui nous reste à visiter, et c'est peut-être là qu'on va trouver la porte de la clé du charpentier! Certainement même. Et de là, on pourra trouver la porte de la clé du millionnaire, du... À tous les coups, ça va être des boss optionnels. Dégueulasse, hyper dur à tuer, qui vont donner des bonus pour débloquer le vrai boss de fin, j'en suis sûr. C'est obligatoire, madame. Ou alors, c'est des gros salauds trésors qui vous donnent la clé de la porte suivante, la porte suivante, la porte suivante, et la dernière que vous faites, il y a un boss dedans. C'est quasi sûr et certain. Ça marche comme ça, mais c'est pas... Faut pas chier plus loin. Allez, on y va. Pour moi, c'est ça, clairement. Attendez. On va se mettre en mode... voilà. Non, c'est pas le bon sort. J'ai pas remplacé mon raccourci. Modifié. C'est Thaïs Rosine. Voilà. Hop. Voilà. Boum.
J'adore trop. Crève. Hey, ce passage-là, juste ça, ces quelques notes, ça me fait tellement penser à Lilium. Je ne sais pas. Cassez-vous. 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 Je passe. Excusez-moi. Hein. Je dois passer. Pas le temps. Ah, par contre, quand vous faites ça, comme ça consomme 1 de EPM, vous pouvez pas utiliser. Vous pouvez pas récupérer d'argent sur les fleurs. Intéressant. Et là, ça me fait. T'as l'air con, hein. Allez hop, casse-toi. Je passe. Ah oui, oui, vas-y. Oh, et faites-moi des dégâts. Ah, alors. Ok. Là, vous êtes dégoûté. Si vous n'avez pas Inverto, mais vous avez forcément Inverto ici. Moi, vous ayez abusé du jeu. Et le jeu emploie bien ses mécaniques quand même. Hein. En mode, il vous force à utiliser Inverto et tout. Aïe, je l'avais pas vu. Pardon. Excusez-moi. Merci. Alors, je veux d'abord aller là. Voilà, voir s'il n'y a pas des choses à débloquer. Non. Hop là. De l'autre côté. Ok, il y a deux chemins. Par là, il y a quoi? Un coffre. Chapeau du corbeau, très bien. Que fait ce chapeau? Chapeau du corbeau. Un chapeau d'un noir intense. Non mais, il y a des trucs, je suis sûr ils font des trucs, mais on vous le dit pas. Non, on va s'embêter. On s'en est obligé. Hop là. Ah ah, oui, oui, cette zone qui nous embêtait, on peut y aller maintenant. Oui, oui. Hein? Quoi? Quoi? Une toute nouvelle zone? Mais une zone sous le territoire du Japon. Très bien. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. C'est très joli en tout cas. Le Japon s'invite. Oula, ça pue. Je sens qu'il va me tuer. Il va me tuer. Crème. Oh, oh, une pièce d'or. Alors, ça. C'est pas le mec qui voulait les transpirer, lui. Comment on fait pour le... Il va y avoir un sort de passe-muraille. Et on peut pas casser. Ok, il y a un sort de passe-muraille. Très bien. Très bien. Ok. Saloperie. Ah, saloperie. Ouais, d'accord, il y a clairement un sort de passe-muraille. Très bien. Ça veut dire qu'on va affronter un boss qui passe à travers les murs, ça va être dégueulasse. Non, non. Salaud. Mais quel salaud? Mais bande de salauds. Heureusement que j'ai l'attaque rapide, hein, sur l'arme à deux mains. Un tolé. Ouf. Oh là, oh non, oh non, oh non. Et dis-moi que suivant le sens dont on rentre dedans, ça change la sortie. Les ramen. Pas très bon les ramen. Je suis sûr que si...
Oh, wrócimy. Ok, d'accord, donc suivant dans le sens dans lequel on rentre dedans, ça fait pas la même chose, d'accord. Ça va être une nouvelle mécanique bien chiante. Oh! Est-ce que vous la voyez la mécanique chiante du niveau? Moi je la vois. J'ai pas fait Inverto. Donc il me manque une zone, tous les coups. Ok, attendez. On va revenir en arrière. On va se soigner. Il y a des monstres, il y a des mobs à tuer partout. Merci. Ouais, clairement. Il y a des trucs au-dessus. Ok. G. Tac. Hey. Masque de Kitsune. Le Kitsune. Alors, Kitsune, ça fait quoi? Le masque de Kitsune. Très très bonne chanson d'ailleurs. Pour ceux qui la connaissent. Ça ne fait rien. Parce que c'est un objet. C'est un chapeau? C'est un chapeau. Très bien. Elle maintient des pouvoirs surnaturels. Ah, ça pue. Il y a encore des mécaniques cachées. Ok. Il fait mal lui quand même. Hein. J'ai pas été là. Ok. Ok. La zone est dure. La zone est dure. On prend cher. Aïe. Voilà. J'ai 14 saloperies en plus. Ils font très 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 beaucoup de dégâts. Ok, on arrive en haut ici. Et donc on n'a pas trouvé le boss qui nous permet de faire de passer à travers les murs. Mais il y en a clairement un. Oh là là. Tellement évident. En fait, comme il y en a eu une, c'est évident. Il faut qu'une seule pour que le AK comprenne des choses. Vol arrière, très bien. On peut voler en arrière. Non. Aïe. Ok. 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 Coupe tendance. Ah bah voilà, c'est bon. On a fini le jeu. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Donc, il faut comprendre ici. C'est ici que tout se passe. Ok, mais on comprendra ça lors du prochain épisode. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ah mais non. Attendez, non, bah non. Non, 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 non. Parce que j'ai pas de TP pour aller ici.
moi. Donc je vais t'emmerder pour revenir. C'est vrai que j'ai pas le bon sort. Vas-y. Ok. Un petit soufflé aux œufs, oui. Un petit poisson frais, oui. Oui, ça va être embêtant ça. Ah, ce sort. Quel talent. Je sens qu'il y a un truc à faire avec ces conneries. Il faut les passer dans un certain ordre. Oh là là là. Ça va être chiant. Ah non. Je suis très bien là. Ok. Y a pas une salle de TP ou une salle de save que je puisse arrêter mon épisode s'il vous plaît? S'il vous plaît. Équipement pour Ponyte. D'accord. Donc au moins, ce qui est bien, c'est qu'on a trouvé... Yes. Hein? Ok. Ok, ça c'est clairement l'ennemi. On sait, crève. Ok, ça, il faut casser ça non. Il faut casser ça non. Oh là 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 là, cette zone. Les statues. Au secours! Au secours! Au secours, au secours, au secours, au secours, au secours. La fuite! La fuite! La fuite! La salle... La salle de TP. Yes! Bon! C'est là-dessus qu'on arrête l'épisode. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour une aventure. Allez, bye bye!